a sunset view. And niggas say you're gonna want to. Give my heart to what we need. I know never wanna be one to. On va s'en sortir tous ensemble, tu parles. Allez, trouver les pièces, réparer le char, ne pas mourir. Exactement, ne pas mourir. Et sur ce, salut Jean, on se retrouve ici pour la troisième partie de Battlefield 1. Cette campagne qui m'a l'air super intense. Et puis là, on vient de sortir du char. Pour ceux qui n'ont pas regardé, je vous invite à aller voir la deuxième partie d'abord. Et même la première, si vous ne l'avez pas vue, logiquement. Et donc là, on est dans un village qui était censé être à nous normalement, mais qui visiblement à l'ennemi, donc aux Allemands. C'est chaud. Et il faut qu'on reprenne tout ça parce que de base, notre char est complètement cassé en fait. C'est quoi ça? C'est un snipe? Je vais changer contre. Ah, oui, d'accord. Ok. Comme ça, on est bon. On a un truc de loin, un truc de près. Ok, très bien. Ah, mais en fait, on pourrait même. De là, est-ce qu'on pourrait pas. Non, pas tellement. Ah, mais par contre, de là-haut, peut-être. J'ai pas eu loupé ça. Ah ah, les gars. Qu'est-ce que tu fais? Non, non, mais reste là-haut. On est bien là-haut. Ok. R1. Utilisez le jeu. D'accord, donc là il y en a déjà deux autour du feu. Là il y a un char. Là il y en a encore un. Le problème c'est que vu qu'on n'est pas à Lara Croft, donc on n'a pas de d'arc, on n'est pas très silencieux en fait. Mais bon, tant pis. Notre mission de toute façon c'est de récupérer le village et c'est pas en étant silencieux qu'on va pouvoir faire ça. Allez, mais ça, ça devrait cramer, ça, non? Non? C'est sûr, ça? J'y crois pas. Attendez. Je vais faire un truc. Voilà. Non, visiblement, ça ne veut pas exploser. Ah, bah, si, quand même! Enfin! Ok, là, je pense qu'on a déjà fait un bon boulot, là. Dans un premier temps. Je propose qu'on va descendre parce que là je pense que là on est trop loin pour les avoir. Donc je vais descendre là. Waouh, j'ai déjà pensé que... Mais avant tu voulais tellement bien le faire et puis là... Voilà. Okay, on va y aller, on va se rapprocher un peu. On va aller voir la situation. Garde nos armes pour l'instant, je suis assez satisfait avec nos armes. Bombe, fine. Oh, ça en prend pas. Ça prend pas. On va quand même faire un tour histoire de voir s'il n'y a plus personne. Mais je pense que là c'est un peu vide. Donc ça va. Ok, donc on va avancer. Il y a juste un truc sur la carte. Je sais pas exactement ce que ça signifie, mais je pense que c'est juste. Niveau arme en fait. Ouais, c'est ça. Okay. On a déjà fait le tour, c'est bon. Aïe. Ok, donc maintenant on va continuer vers là. Par contre, il faut faire gaffe, il y a certainement des ennemis. Donc voilà, notamment ici. Donc là, il y en a de nouveau deux. De récupération. Ah d'accord. Donc là il y a le moteur pour réparer notre véhicule. Donc je propose qu'on va vers là. Enfin, quoique en fait, eux je pense qu'il faut les tuer aussi. Mais bon, non. Pour l'instant on va aller vers là. Par contre on va de nouveau se mettre dans un moulin là. Parce que avant ça m'a plutôt bien plu. C'était plutôt une bonne idée. Là il y a de nouveau des armes. Mais à part s'il y a un bazooka ou quelque chose de ouf, on va garder nos armes.
Allez. Donc j'espère que pour l'instant, la campagne vous plaît. Moi, en tout cas, oui. Parce que ça met vraiment à fond dans l'ambiance, quoi. Non, non, mais reste là. Le mec, il se fait le tour de l'échelle. Non, mais non, vraiment, faire gaffe de ne pas... Ok, là, on a un super bon visu. Par contre, pas sur ces gens-là. Mais par contre, là, il y en a encore... Normalement, si je les tue eux là, ils vont pas alerter les autres. Enfin, j'espère. Donc, déjà. Allez, mais ça, normalement, ça devrait. On va refaire. Oh, wow! D'accord! Violence. Mais genre une violence extrême quoi. Moi je me sentais bien, je me sentais comme à la maison limite là-haut. Mais j'avais en effet oublié qu'on est sur Battlefield, donc moyen de tout casser quoi. Ils sont là quelque part. Voilà, il y en a deux, un. Wow, est-ce qu'il a explosé? Wow. Joli coup. Un de moins, il en reste trois. Ah ouais, quand même trois quoi. À la hauteur. D'accord, c'est très bien. C'est pour nous rassurer en fait, on avait gagné un trophée. Genre. C'est bien, t'es à la hauteur. Alors qu'en vrai, pas du tout, mais. Ça nous rassurer un peu. Bon, par contre, ça, je le sens pas. Là, il fait nuit absolue, je vois rien. Ça va être là, la prochaine pièce, c'est ça. Ah, il y en a un là-haut. Je l'entends marcher. Oh putain, c'est là, toi. Comment t'as fait? Il est fou, il est complètement fou. Par contre là ils vont bombarder le moulin. Je vais être dans la merde. Et ils vont m'attendre là, non? Je vais quand même tenter. Ça c'est quoi comme arme ça? Ah non mais c'est un sniper, moi il faut que je garde cette arme de près, mais par contre le problème c'est que j'ai plus beaucoup de munitions. Mais mec, t'as combien de vie? C'est rien toi? C'est quoi ce mec? Le mec, il a carrément de la vie infinie. Il se prend quelques balles de sniper, il se dit « Ah, ça me gratte un peu, mais j'ai pas trop envie de mourir là en ce moment. » Non mais c'est quoi le blindage qu'il a lui? J'aimerais bien l'avoir aussi, et surtout le feu qu'il met. Ça met l'ambiance quoi. Ah ouais, d'accord. Ok. Ça c'était propre. Tireur d'élite. Ça pourrait éventuellement changer cette arme là. Ouais, mais bon, il n'y a pas beaucoup de, plus de munitions que ça quand même. Ok, non, non. Waouh, waouh, waouh. Waouh, ok. Justement éviter qu'ils prennent l'artillerie, mais
Quoi? Mais je te mets une balle dans le cul, ça. Oh non, pas lui par contre. Non, par contre, toi, je t'aime vraiment pas, donc évite de rester près de chez moi. Quoi, même après une grenade? Ah, d'accord. Mec, mais t'es sérieux là? Non, mais ça, c'est pas possible. Oh, mais ton feu, il va. Lui. Un mec qui reste à éviter. Quoi, mais ils sont tous beaucoup de vie là ou quoi? Les gars, je sais pas. Ah, en plus, tu me suis. Non, mais ça y est. Lancer un leurre? Tu préfères que je te lance un leurre? Attendez, je vais là. Et il s'amuse bien lui avec son feu. Ah ouais, il devrait pas savoir où je suis. La logique des choses. Même fermer la porte. Voilà. Histoire de se sentir un peu seul. D'accord. On peut monter. Là, ça c'est pas des pièces? Non. Aucune chance de voir à la place. Ok, bah finalement, on voit pas grand chose ici. J'ouvre plutôt pas cette grande porte là parce que sinon c'est dans la merde. Ok, là, est-ce qu'il n'y a pas des pièces là? Là, il doit certainement avoir des pièces. Attendez, je vais éventuellement faire le tour. T'as entendu quoi, lui? Ah voilà, c'est comme ça qu'on sort une pelle, en fait. Voilà. Ah, lui, il est chaud, là, par contre. Lui, il est chaud. Attends. Viens là. Viens. Attends, je me suis dit au coup de pelle, là. Voilà, coupelle de cash. Ah, il y en a encore un autre qui va venir. Bonjour. Il m'a juste une petite tête qui fait comme ça, quoi. Bon, viens jusqu'à là, et comme ça, je peux m'en occuper, là. Allez, viens. Viens. Et ça sera coupelle de cash pour toi. Ah merde! Je voulais faire coup de pelle, mais bon. Ça marche aussi. C'est un peu moins discret. Mais c'est efficace. On peut le dire. Merde. Muscle. Voilà. Ça c'est quoi ça? Non, ça. Ah, quoi que. C'est un snipe ça, Yvan? Non, c'est pas un snipe. Non, c'est pas un sniper. Par contre, il y a encore une pièce. Voilà, enfin. Donc ça fera 2 sur 3 normalement. Si j'ai bien compris. On est à mi-chemin. D'accord, donc ça fait 2 sur 4. Il y a 4 en tout. C'est ça? Bon, et maintenant, en tout cas, j'ai compris le truc. On va aller donc vers là-bas. On va contourner quand même le maximum possible. Ok. Toi, tu restes là pour l'instant. Je sais pas si c'est là en fait. J'ai un là. Alors, faites-moi voir ça. Ah, d'accord, il y a juste un mec là. Ok, il est posé. Ah, d'accord.
Là, voilà. C'est encore une pièce ici. Très bien. Qu'est-ce qu'on fait? L'autre là, j'aimerais bien le faire au coup de pelle là. Ils sont en train de se disputer. Excellent. Allez, viens là. Comme ça, je te fais un coup de pelle. Viens, viens, viens. Viens là. Allez. Mais non. Là. Ich sag dir was. Nur weil ich das Beste für unser Land will, bestraft mich der Hauptmann ständig. Was ist daran falsch, hein? Coup de pelle. Non, personne n'a remarqué. Was hast du gesagt? Tut mir leid, ich bin hundemüde. Was für ein Scheißtag. Coup de pelle, monsieur. J'avoue qu'il m'a un peu surpris. Est-ce qu'on fait un surprise motherfucker ou plutôt pas? Vous savez qu'on va aller vers là. Est-ce qu'il y a personne là? Ouais, c'est par là. Non, ça m'a l'air un peu trop risqué vers là. Est-ce qu'on peut faire genre un mode discret? Allez, vite, 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 vite. Allez, plus qu'un. Excellent. Ça marche, ça, en plus. D'accord. Bon, par contre, j'ai garé mon cheval super loin. Donc, plus qu'un maintenant. Et c'est dans cette direction. Donc, le mieux, c'est quand même de choper notre petit cheval. Par contre, lui, il va me risquer de me faire chier. Bon, là, ça sera un coup de pelle, quoi. Coup de pelle, monsieur. Et puis là, les gars, j'ai pas le temps. Je vais y aller. Voilà. Vraiment pas le temps, là. C'est chaud, mais c'est bien vu, là. Ok, là, on est sur le bon coup. On est sur le bon chemin. Maintenant, donc, on y va. On va donc aller vers là-bas. Qu'est-ce que tu fais? Non, c'est trop profond. On va faire ça. Ah, voilà. Oh. Par contre, les gars, ils sont juste là, quoi. Bon, allez, on va juste faire un petit rush, là, les gars. Ne me tuez pas. Je dois aller là, ok. C'est juste pour faire une petite scène de reconnaissance. J'arrive après. Non, non, tirez pas. J'arrive après. Voilà. Je lâche là. Et puis... Oh non, mais les gars, c'est abusé. Abusé. Les gars, tout de suite avec la balle. Non, mais arrête de me tirer dessus, par contre. Bon, bah, on va essayer d'aller en rush là. Non, mais en fait, c'est impossible. On va y aller au coup de pelle là. Coup de pelle. Voilà. Coup de pelle. Alors déjà on peut dire que coup de pelle c'est la meilleure arme au monde. Quand même. Parce que c'est discret. Ok, un chat. Donc les gars, moi pour l'instant, aujourd'hui c'est pas porte ouverte. Aujourd'hui c'est porte fermée. Personne rentre. Pas celle-là. On va fermer, les gars. Aujourd'hui, tout est fermé. Par contre, ça, si tu rentres, c'est coup de pelle. Voilà, coup de pelle. Je t'avais prévenu. Eh, mais coup de pelle! Non, coup de pelle! Ah non, c'est le mec imbattable! Ah, c'est le mec imbattable! Oh, c'est le mec imbattable. Il faut se casser très rapidement. J'avais oublié qu'il existe, lui. Pour lui, bien sûr, coup de pelle, ça lui sert à rien.
fais quoi? Ok, par contre là c'est un peu plus chaud. Ok, est-ce que je peux me planquer ici? Parce que je vois rien. Ah si, ça va mieux un peu. Non, pas trop. Voilà, logique des choses, personne ne devrait me voir ici. Coup de pelle, coup de pelle, coup de pelle, coup de pelle. On est en train de se faire un combat de coup de pelle. Ah mais c'est le mec en feu. Putain, moi j'étais en train de faire du coup de pelle. Non, mais arrêtez là. Moi j'étais en train de faire un coup de pelle, combat de coup de pelle et tout, et d'un coup le mec il fait oh, je suis ton ennemi. Comme si je savais pas que c'était mon ennemi, mais quand même, j'étais surpris par son coup de feu là. Il fait chier. Ah, je l'aime pas. Franchement, le mec avec son feu là, je l'aime vraiment pas du tout. Bon, il faut éviter à tout moment, je pense, de me faire récupérer. Ce qu'on va faire, c'est... Donc ça, on l'a déjà fait, c'est ça? C'est... Ouais, c'est ça. On est bien d'accord, ça c'est déjà fait. Donc maintenant, il est l'heure de passer au prochain. Sans me faire voir, en fait, voilà. Normalement, il est déjà mort, là. Ça va être vachement chaud, quand même, de me faire voir par personne, là. Le dernier, ça m'a l'air vraiment le plus chaud, quoi. Putain, je suis content si on a réussi cette mission, parce que... 4 pièces comme ça, c'est chaud, quand même. Dans ce petit village. Enfin, c'est un village, en fait. Donc là, je vais passer par l'eau. Et je vais absolument pas courir parce que... Il y a juste des gens, de toute façon. Et même, je vais pas rester là. Je te le cache, ça sera cool si tu viens. Voilà. Voilà. Tu veux coup de pelle ou pas? Attends, non, en fait, viens plutôt là. Là. Ça, je peux te faire coup de pelle ici. Viens. On a l'habitude tout souvent avec Tomb Raider et tout, on a tout sous contrôle. On reste là. Là. Et là, ça sera bientôt coup de pelle. Coup de pelle, messieurs! Voilà. Combat rapproché. Ah, par contre, lui aussi. Il est en train de voir quelque chose là. Il est un peu choqué. Attendez, on va rester discret. Oh, ah mais ça c'est le mec en feu là. Ah toi je t'aime pas par contre. Toi, maintenant je peux le dire parce que maintenant... Une bastard, mais attends, je ne parle pas comme ça. Parle avec quelqu'un qui s'intéresse à ce que tu dis. Genre ils sont en train de se disputer quoi. Oui. Par contre, je vois absolument pas où se trouve actuellement. Là, par contre, lui là, il m'inquiète un peu. Attendez. Genre de là-haut, normalement, on devrait voir un peu plus. Arrêtez de vous disputer comme ça. Quoi. Ok. Attendez. Laissez-moi voir un peu la situation. Est-ce que vous voyez quelque chose? Moi non. Ah bah voilà. Donc, bah les gars, je reviens vers l'autre côté en fait. Je vais faire par contre. Ouh, mais toi, je l'avais même pas prévu, toi. Attends. Viens là. Halt endlich dein Maul. Allez. Mais viens là, en courant, ici. Je veux que tu me fais un petit.
Mais mec, je veux juste te faire un petit coup de pelle. Mais n'aie pas peur là, viens là. Mais sérieux, lui? Mais t'as peur du coup de pelle ou quoi? Mais si t'entends un bruit ici, faut pas aller sur... Mais mec, t'es trop con pour le faire. Ok, bon. Visiblement, ça marche pas avec tout le monde. Ok, on va faire le tour. Je pense que ça, c'est le plus prudent. Par contre, j'ose absolument pas de me lever. Si, allez. Non, en fait, non. j'ose pas. Mais je sais que c'est maintenant vers là, donc ça, c'est déjà une bonne chose. Par contre, regarde pas vers moi, en fait. Je suis bloqué. Donc, ah, là, il y a juste une porte. J'ai lancé... En même temps d'ouvrir la porte, j'ai lancé quelque chose. Attends, regarde plutôt vers là-bas. C'est un conseil. Allez. Ah mais d'accord, c'est une porte... C'est absolument un piège en fait. Parce qu'après moi je ressors plus ici en fait. D'accord. Ne te retourne surtout pas. Voilà. Putain, c'est tendu là, moi je vous dis, c'est très tendu comme truc. Ok. Wow. Ok, lui il est là. Et j'en avais vu un juste là. Putain, là ça va être tendu par contre. Comment je vais faire? Il doit juste tous pisser en fait. C'est ouf, putain. Bon, j'y vais comme ça, j'espère qu'il n'y a personne derrière moi. C'est tendu. Allez. Est-ce que là il y a du monde? Je sais pas comment ils sont placés, c'est ça qui est chiant. Hältst du eigentlich irgendwann mal die Schnauze? Ganz ehrlich, ich kenne keinen, der so viel redet wie du. Ok, bon, calmez-vous les gars, j'ai un conseil. C'était le dernier. Allons retrouver Bess. Ok. Il est l'heure de retrouver Bess. Maintenant, je me permets de pourrir. Ouais, non, en fait, non. C'est pas courir, c'est une moyenne bonne idée. En fait, si. Vous savez quoi, on va choper. Allez. Maintenant, on y va, par contre, on n'a pas le temps là. Voilà. Et on y va. Ciao les gars. A plus jamais, je vous aime tous pas du tout. Surtout le mec avec son feu là. Qui meurt absolument pas. Toi, je te retiens. La prochaine fois qu'on se voit. Ça va mal se passer pour toi. Ah merde, ici c'est trop... trop profond. Trop profond. On ressort. On se rapproche un peu. Voilà, ici c'est bon, ça passe. Donc je préfère contourner au maximum. Voilà, baisse c'est vers là, si j'ai bien compris. Mais c'est quand même fun, un Battlefield avec des chevaux, c'est quand même très bien foutu. Voilà les gars. Bonjour. Regardez ce que je... Non, pas maintenant. Pas après tout ce que je viens de faire là. Ah, il nous a sauvés. Je crois que j'ai fait fausse route. Oui, on s'est tous un peu égarés. Eh ben, montrez-nous la voie. C'est pas vous, le pilote? Bizarre, quand même, ce mec. Qu'est-ce qu'il a foutu pendant tout ce temps? C'est du joli travail, les gars. Ouais. On s'en sort pas mal. Ouais.
c'est bon, j'ai terminé. Alors, on la remet en route. Merde. J'ai toujours fait ce qu'il fallait! Vraiment tout! Toute ma putain de vie! Toute ma vie, je me suis attaché à suivre les règles! Suivre les règles! Il est en train de s'énerver là un peu. Alors, qu'est-ce que tu me fais? Espèce de putain! De putain de saloperie de machine! Allez! Allez, baisse! Ressaisis-toi, tu peux pas m'abandonner! T'es une battante! Alors maintenant, tu te bats! Le rendez-vous est au-delà de ces collines. Il faudra faire attention à ce village là en bas. Très bien. Oui, mais par contre, ça sera pour la prochaine fois. Putain, on a fait, quand même fait marcher Bess maintenant. J'aurais plus pensé à la fin, mais on l'a fait. C'est cool. Bon, bah du coup, on va se retrouver très prochainement pour la suite de Battlefield 1. Si vous voulez voir exactement, plus exactement quand est-ce qu'on va se retrouver, n'hésitez pas à regarder sur Facebook, il y a le programme de la semaine. Et puis, bah sinon, on va se retrouver pour Tomb Raider, Mafia 3, GTA. Et tout le reste, voilà. Donc sur ce, salut Jean, et à très très bientôt pour la suite de Battlefield 1. Game Keys and Game Cards, MMOGA, your gaming specialist with killer prices.